Chers amis parieurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour ces pronostics du vendredi 15 mars 2013. Aujourd'hui, je vais vous proposer trois matchs différents. Un concernant le championnat de Ligue 1, c'est-à-dire le match Marseille-Ajaccio. Le second sera pour la Ligue 2, entre les deux équipes du Havre et de Niort. Enfin, la dernière rencontre sera un championnat de Turquie entre le match Eskişehir Spor et Elazığspor. Pour ces trois rencontres, je vais vous proposer le même type de pari. En fait, ce n'est pas un pari traditionnel où l'on peut jouer les victoires à domicile, le match nul ou à l'extérieur. En fait, je vais m'orienter plutôt sur des pronostics pour ce soir, sur des paris sur les buts en fait. Voilà, donc les bookmakers, dans leur grande majorité, proposent ce genre de pari. J'ai regardé un peu sur la toile ce qu'ils proposent en .fr. Sur bwin par exemple, ils auront ce genre de bet. C'est-à-dire, les deux équipes vont-elles marquer pendant leur rencontre? En fait, le but du pari est très simple. Il faut que, pour que le pari soit gagnant, que les deux équipes marquent au moins une fois dans le match. Donc, pour ces trois rencontres, il nous faudra un but pour chaque équipe pour donc que le coupon soit gagnant. Trois matchs, donc avec des cotes assez intéressantes en fait. Lors du match Marseille-Ajaccio par exemple, si les deux équipes marquent, la cote est de 2, ce qui est assez intéressant. Pour le match Le Havre-Chamois-Niortais, la cote pour les deux équipes marque est de 1,88. Enfin, pour Eskişehir Spor et Elazığspor, la cote pour les deux équipes marqueront-elles lors de la rencontre est de 1,83. Ce qui nous fait une cote totale combinée de 6,88. Donc c'est assez intéressant comme genre de pari, surtout que pour les rencontres de ce soir, les oppositions sont assez équilibrées. Nous avons des matchs importants où les équipes se doivent de gagner, que ce soit pour Marseille qui veut coller toujours dans le championnat, ou bien pour Ajaccio qui veut se donner de l'air en bas de classement. Idem pour le match Le Havre-Chamois-Niortais. Nous avons les mêmes conditions qui sont réunies. Et enfin, concernant le dernier match pour le championnat de Turquie, nous avons l'équipe d'Elazığspor qui reste sur 3 victoires consécutives avec la manière en plus qui s'est sortie de la zone rouge et en pleine confiance. Et de l'autre côté, nous avons l'équipe d'Eskişehirspor qui n'a pas remporté le moindre match depuis 4 rencontres avec notamment 3 matchs successifs avec un match nul. Donc Eskişehirspor va aujourd'hui s'imposer et mettre fin à cette série. Et de notre côté, nous avons l'équipe d'Elazığ qui, elle, voudra continuer sur son invincibilité et donc essayer de ramener quelque chose de ce déplacement. C'est un match qui nous laisse penser qu'il y aura des offensives, une volonté de gagner de part et d'autre, donc probablement des buts. Donc je vous fais un petit récapitulatif du pronostic en visuel, donc avec le coupon. Une belle cote finale qui est atteinte hier. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux pronostics sportifs. Bye bye.